Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour ce petit rendez-vous du lundi. Un rendez-vous du lundi qui va être un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas pu faire grand-chose cette semaine. J'ai eu des soucis. D'ailleurs, je dois aller en consultation aujourd'hui au niveau de ma cicatrice. Alors, Voldemort est enlevé, mais finalement, j'ai bien fait de l'appeler Voldemort parce que ma marque des ténèbres s'est activée. Enfin bref, du coup, il faut que j'aille, faut que je retourne à l'hôpital. Et donc ça, c'était début, milieu de semaine. Et samedi, je suis allée chez le médecin parce que un petit bonheur n'arrivant jamais seul, j'ai eu une belle pharyngite carabinée. Donc, autant vous dire que j'ai pas fait grand-chose cette semaine. Mais je vais pouvoir vous montrer quand même quelques petits trucs. Au niveau de mes... Alice est avec moi, je ne l'ai pas mise ce matin. On est lundi 24. Je ne l'ai pas mise ce matin parce que je pars en fin de matinée. Parce que l'hôpital se trouve à 1h30 de chez moi. Donc, on fait l'école buissonnière. Ça va. Elle y était hier, c'était dimanche. Bon, alors, elle n'a pas dansé. Non, elle l'avait dit, hein. Donc elle était, ça va, elle l'avait mis derrière, j'avais un peu prévenu l'instit, donc elle l'avait mis derrière. Alors elle restait droite comme un piquet, et vraiment on voyait à sa tête qu'elle était là. J'ai dit que je ne danserai pas, mais vraiment. Voilà, bon écoutez, hein, elle a du caractère on va dire, voilà, c'est ce qu'elle veut. Mais c'était assez marrant. Donc cette semaine, dans tous mes encours, mes encours classiques, je suis allée un petit peu sur Stitch Litrail, un tout petit peu Stitch Litrail, et un peu sur Harry Potter, voilà. Alors, je vais vous montrer la Harry Potter. La Harry Potter, c'est celle que j'avais eue, je vais remonter à Chouïa peut-être, voilà, avec Biggest Craft, mais je crois qu'ils ne font plus la toile. C'est une 11 CT, c'était Wakan qui faisait ça, donc c'est la voiture de Ron qui revient au terrier. J'ai que ça en plus en image, donc voilà. Et je suis allée un petit peu compléter, mais vraiment pas grand-chose. Vous voyez, j'ai même pas fini mon fil là. Voilà, mais ça avance, ça avance, ça avance. Et elle est agréable hein, malgré tout parce qu'elle n'est pas, confetti, ou alors quand il y a un point de confetti, moi je vais vous dire, je m'embête pas. Tous encore ma petite Alice. Je m'embête pas. Je voulais vous montrer où par exemple. Tenez, par exemple là. Voilà, il y a juste un symbole supérieur bleu. Alors que tout le reste est en rouge. Je veux pas m'embêter. Voilà. Mais sinon, c'est très très rare que j'ai des choses comme ça. Donc je suis allée un petit peu sur celle-ci. Quand je pouvais un petit peu m'asseoir. Voilà. Et je suis allée un petit peu sur celle-là. J'aimerais bien finir le souillon. Normalement, je devais l'avoir fini pour le fin juin. Bon, j'ai encore, vous allez me dire, 7 jours. Hein. Voilà, je suis allée compléter un peu souillon. Il me reste le haut de la tête. Pardon, excusez-moi. Donc, je me dis, ça pourrait le faire. Alors, je sais pas. À moi, je me le mette, parce que j'ai vu la vidéo de Lily. Elle fait une semaine, une toile dans ses encours. Où la journée, je crois que c'est d'après ce que j'ai compris, la journée elle continue de broder ce qu'elle a envie de broder, mais chaque soir pendant une semaine c'est uniquement dédié à une seule toile. Et je me demande si je vais pas faire pareil et me consacrer à lui juste pour pouvoir finir cette semaine. Souillon, je crois que c'est Souillon qui s'appelle, sans doute. J'ai bien envie parce que, et une fois que je suis dessus, c'est bien. Ah, en plus, j'aime bien les toiles vitrail, hein, vous le savez, parce qu'on fait le pourtour noir et après, on n'a qu'à combler. Donc, je pense que je vais faire ça. Me consacrer le soir à celle-ci et la journée, aller sur mes autres encours. En plus, je me dis que c'est pas mal parce que ça permet aussi la journée de faire des nouvelles toiles ou des toiles de saison. Et le soir, de continuer à avancer les anciennes. Donc, je pense que celle-ci, elle va passer... J'avais hésité avec la Harry Potter, parce qu'elle me plaît bien aussi. Mais je vais finir Souillon, comme ça j'aurais respecté mon objectif de l'avoir fini au mois de juin.
Et après, en juillet, je vais reprendre Cendrillon, La Toile Alice. Enfin, je vais reprendre les autres, quoi. Mais je trouvais l'idée pas mal. Voilà. Et ce week-end, j'ai quand même fait deux démarrages. Bon, alors celle-ci, trois. Trois. J'ai dû les démarrer quand même, parce que j'avais dit que je les démarrais ce week-end. Donc, hop, celle de la maman et de la fille. J'ai juste fait un fil. On va regarder derrière plutôt. Voilà, mais quand même, hein, je me dis, même malade, j'ai un petit peu avancé. Donc, celle-ci, j'ai juste fait un fil hier soir, devant Titanic. Puis après, je suis allée me coucher. Parce que ça, les films à la télé, ils commencent toujours très très tard. Et Titanic est assez long. Hein, puis une fois que le bateau commence à couler, c'est ce que je préfère le moins. Donc voilà. J'ai voulu aller un peu sur celle-ci. Et puis finalement, j'ai été interrompue par l'infirmière et je ne suis pas retournée. Je voulais faire la poule. Mais qu'est-ce qu'elle est raide. Vous savez, c'est ma toile spring. Alors, non, mais c'est ridicule, je ne vais même pas vous montrer. Mais elle est. Je vais juste vous la remontrer pour voir comment elle est belle. Mais elle est raide. Raide, 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 raide. Raide. Bref, je vais commencer. Je voulais faire la poule. Et j'ai été interrompue. Donc celle-ci. Et par contre, Stitch, j'étais vraiment bien dessus. Enfin, j'aimais bien la broder. Donc. Hop, elle, je l'ai brodée le samedi. Et franchement, je sais pas si ça va se voir ce que j'ai fait, parce que c'est du bleu sur bleu. Et là derrière, ça se voit un peu. Ouais, j'ai fait du blanc et du bleu. Voilà. Parce que là, ici, c'est un bleu. Ben, je brode du turquoise sur le turquoise. Et là, après, c'est du blanc. Voilà, j'ai fait ça. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais écoutez, hein, je trouve quand même que c'est pas mal. Parce que je les ai cumulés cette semaine et finalement, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, en DP, j'ai juste ça qui est commencé. C'était le petit escargot que j'avais reçu en partenariat avec je sais plus qui. Avec qui j'ai noté, oui, Gutfeld. Voilà, pour qu'il soit fini. Ben, je voulais qu'il soit fini avant le début de l'été, mais c'est raté. Hein. Oui, je ne pouvais plus m'asseoir, donc je l'ai commencé. Il est sympa. Hein. Il est sympa, il a plein de couleurs. Et ouais, il est sympa. Alors, faut que je fasse attention parce que les diamants ont quand même tendance à bouger. Voilà. Bon, peut-être que j'y arriverai mieux cette semaine. Hein. Je vais voir. Je vais voir si j'arrive à mieux m'asseoir. Si j'arrive pas à mieux m'asseoir, bah tant pis. Hein. Ça sera fait quand ça sera fait. Hein. Voilà. J'ai envie de dire la santé avant tout. Et puis si lundi prochain, bah, j'ai rien à raconter. Eh ben c'est toi, je ne ferai pas de vidéo de lundi, c'est pas grave. Ouais, et sympa. En DP, c'est tout. Je n'ai rien pu faire d'autre, je vous dis. La cicatrice me faisait trop mal. Donc, oh là là, ma petite Alice, ça fait quand même déjà deux fois qu'on va voir le médecin. Et deux fois qu'il me dit non, il n'y a pas de fièvre, donc pas d'antibiotiques. Mais moi, ça fait quand même 15 jours qu'elle a une toux comme ça. Oh mon chat. Oh, un calumette. Ah, c'est bleu. Oh, ben, attends. Voilà. Sinon, je vais vous montrer parce que j'ai reçu quand même des petites choses. J'avais passé une commande sur Temu. De petites choses que j'avais pas vues sur AliExpress et tout ça. Du coup, je les ai pris. J'ai pris des. Tu veux que je te l'ouvre? Non, ça ira. J'ai pris des deux soudes verres à diamanter. Donc, je peux pas vous montrer les couleurs. C'est que du strass, hein, mais je les ai déjà mis en boîte, parce que je vais pas tous les faire à la queue leu-leu, hein. Je vais faire durer un peu le plaisir. Elle est ouverte, Rose, la porte. Hein. Me regarde pas comme ça. Si tu veux sortir, la porte est ouverte. C'est des dessous de verre sur la thématique de Friends. Voilà, donc il y a Pivot pour le fameux canapé qu'il monte avec Rachel. Il y a donc le Central Perk. La vache, alors la vache, c'est quand je crois que de mémoire, c'est quand Rachel elle veut sortir avec son assistant qui vient de rompre ou je sais pas quoi. Et je crois que c'est une expression de Joey. Il faudrait que je revoie l'épisode, mais je crois que c'est ça. C'est comme ça, Hop, maman.
Loma, oui, c'est très bien, c'est comme ça. Pour Rachel et Ross. La dinde de Monica. Le cadre de l'appartement de Monica. Poussin et canard. Et tu pues le chat. Voilà. Je trouvais qu'ils étaient chouettes. Et j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'autres choses sur Friends. Enfin, moi, j'ai un DP Friends à faire avec le Central Perk. Mais c'est assez rare, je trouve, qu'on trouve des petites choses sur Friends. Donc, du coup, je vais les faire durer. Voilà. Hop. C'est pour ça que j'ai mis les diamants en boîte. Et puis, j'en ferai un. Ben, peut-être un par semaine. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Peut-être un par semaine, vraiment. Hein, parce que. Ben, pour faire durer. Et j'ai trouvé cela. Hop. Donc, cela, je n'ai pas ouvert encore. Vous voyez, j'ai un gros sachet comme ça. Et cela, c'est sur le thème de Harry Potter. Donc, l'emblème. Le cerf-d'aigle, celle de, oh, de Gryffondor. Alors, ça, c'est quoi? Alors, attendez. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah non, ben alors l'autre, c'était quoi? J'en ai deux pour cerf-d'aigle. Ah non, c'est pas cerf-d'aigle. N'importe quoi, c'est Poufsouffle. Oh. Ben oui, il y a le blaireau. Cerf-d'aigle. Et Serpentard, voilà. Et donc là, c'est le petit blaireau tout cute pour Poufsouffle, le serpent, le Serpentard, l'aigle, le cerf-d'aigle et le lion de Gryffondor. Voilà. Sur la thématique Harry Potter, et vous voyez, ça a été livré avec les strass. J'ai strass, je vois que j'ai du AB dans celui-ci, que celui de Friends, j'ai que du strass. Et peut-être du noir classique. Oh là, j'en ai beaucoup. Ah ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Pardon, 21 couleurs différentes. Donc j'ai du noir classique, c'est des strass. Je vous montre comme ça. Là j'ai du AB blanc. Encore des strass. Et j'avais du noir classique. Ouais, c'est tout. Sinon c'est que du strass et les autres c'est AB blanc et noir classique. J'aimais bien. Harry Potter, on trouve quand même des bricolages. Hein. J'ai des stickers, j'ai des porte-clés, enfin. Voilà, et là, ces petits dessous de verre, je ne les ai jamais vus, je les ai vus que chez Temu. Du coup, je les ai pris. Hop. Voilà. Et encore chez Temu, j'ai pris deux choses. J'ai pris. Ben non, pas que ça. Mais en petit truc tissu, j'ai pris ce tote bag avec ces déménagements Geller et on voit le canapé et c'est écrit The Pivot Professionnel et les professionnels du pivot, je sais pas. Enfin, voilà, c'était la petite référence à quand Ross a déménagé. J'ai trouvé les petites têtes, alors j'en avais pris qu'une pour voir un peu. Voilà, sur Pierre Lapin, une petite tête de. Petite tête de coussin là comme ça, comme c'est trop mignon pour mettre dans le petit coin d'Alice, je trouve que c'est trop trop choupi. Voilà, je trouvais ça, donc j'ai reçu ça ce week-end, donc j'étais bien contente. Oh bah alors, et j'ai reçu deux mugs. Alors j'avais peur qu'ils arrivent fracassés, mais pas du tout. Donc c'est un mug Harry Potter sur le terrier, donc ça reprend la phrase de Ross. Bon là c'est en anglais. Mais en gros, ça veut dire c'est pas grand-chose, mais c'est chez nous, quoi. Voilà, c'est la phrase qu'il dit dans le film. Mais voilà, je la trouvais. L'intérieur est noir et franchement, je la trouvais trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a là, Alice? Tu veux une armoire à jouets? Pour tout ranger?
Je vais mettre au moins 3 armoires à jouets. Ne grimpe pas. 3 armoires à jouets. Oh ben, faudrait bien ça. Plus 5 armoires à peluches. ne grimpe pas. Voilà. Et j'ai pris... Alors, celle-ci, il y a mon café dedans, donc je vais pas voir. Sur Friends. Voilà, j'ai trouvé ça sur Temu. Voilà. Le petit plaisir. Ouais, je trouve qu'elle est toute mignonne. Sinon, en lecture, j'ai terminé le tome 2 de la saison des débutantes. Alors, je vous mettrai l'image là parce que c'était sur tablette, sur Audible que je l'avais. Donc, ça reprenait l'histoire de Fiona la rebelle. En fait, c'est deux vieilles aristocrates sans le sou qui deviennent... chaperon de jeunes filles un peu difficiles pour faire des rentrées d'argent et comment, oh je trouve plus mes mots, c'est parce que j'ai vu un appel là, ouais c'est ça, elles, en fait grosso modo elles font bénéficier leur cercle d'amis, leurs entrées dans le monde à ces jeunes filles en échange d'une petite rémunération bien sympa. C'est toujours cousu de fil blanc, c'est pertinemment dès le départ qu'elle va se marier à la fin avec le méchant, enfin, voilà. Mais voilà, ça, on passe un bon moment. Et là, je suis toujours dans le tome 4 des 7 sœurs. Et finalement, eh ben, j'avais peur de ne pas aimer parce qu'elle m'agaçait un peu, je ne sais pas comment vous le prononcez, vous. Dans le tome 3, même dans les autres tomes, on la sentait très, très envahissante. Et là, finalement... j'aime bien, donc j'ai bien fait de faire une pause entre le 3 et le 4 avant de passer à celui-ci, et je vois que l'histoire de l'aïeul se déroulera en Écosse, enfin en tout cas une partie en Écosse, donc ça me plaît bien. Voilà, voilà. Sinon, en termes de lecture, je vais finir celui-ci. Normalement, j'ai mon crédit Audible qui va arriver aujourd'hui. Je pense que je prendrai le tome 2 du policier de Nicolas Beugley, Complot, avec Sarah Geringen, je pense. Je pense que je prendrai celui-ci, à mon avis. Et, ouais. Oui, je pense que je vais partir là-dessus. Je pense. Bon, en tout cas, déjà, je vais finir celui-ci. Je vais essayer de ne pas en avoir 50 de commencer. Parce que j'ai tendance à faire ça aussi avec les livres. Et voilà. Et sinon, dernière petite chose. Et après, je vous abandonne. Je vous ai dit hein, qu'il serait court vu que j'ai pas fait grand-chose. Le Prince au petit pois, c'est une illustratrice française. Voilà. On la retrouve sur Instagram. Alors, elle fait toutes ses créations ne me plaisent pas. Mais quand elle fait des choses Harry Potter, généralement, j'aime encore bien ce qu'elle fait. Donc, elle a sorti une collection Harry Potter. Donc, il y a 7 affiches. Ah, j'espère que vous allez bien la voir. Voilà. Il y a 7 affiches A3 qui reprend vraiment l'ambiance hein, avec les banquets. Oh, les fenêtres. Les bougies, le plafond de bougies, Poudlard. Donc là, elle est à plat parce qu'elle est arrivée enroulée. Voilà. Mais j'aimais beaucoup. Alors, ça fait un peu automne, hein, mais... Il n'y a que depuis hier qu'il fait beau, je pars chez moi. Sinon, on avait vraiment un temps d'automne. Donc, j'ai quand même beaucoup de petites choses en rapport avec l'automne, hein, forcément. Je lui ai pris également, parce que j'adore ça, les marque-pages. En plus, c'est super cute. Hein. Elle fait toujours des petits autocollants. Alors, ça, c'est un peu le genre d'illustration qu'elle fait habituellement. Et je suis moins fan de ces petits monstres. Mais quand elle fait Harry Potter, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah! Alors, elle m'en a offert un, ou deux même. Non, elle m'en a offert deux. Moi, j'avais pris ces deux-là. J'avais pris ces deux marque-pages-là, donc ils sont recto verso. Donc, il y avait Honey Dukes, et ça, c'est un peu le chariot quand ils vont à la gare de Poudlard. Elle m'a offert le marque-page Mandragore et le marque-page Private Drive. J'adore. Je suis une accro. Alors... Je suis une accro des marque-pages. Encore là, si là j'en ai un. Je suis une accro des marque-pages, mais les trois quarts du temps, je les ai jamais sous la main. Ça, c'est un Chicago from Woodland.
Mais et je vais prendre aussi bien un ticket de caisse ou une bricole comme ça. Mais j'aime bien les collectionner. Et j'ai pris des cartes parce que j'ai aussi les cartes. Alors dedans, j'avais la petite carte de remerciement. Voilà, elle fait beaucoup de petits bonhommes comme ça. Et bizarrement, je ne suis pas très très fan. J'ai du thé, mais moi je bois pas de thé, je bois que des infusions. Alors moi, je lui avais pris, parce que pareil, elle m'en a offert plein. Maman, regarde la liste, elle ne voit plus rien. Elle ne voit plus rien. J'avais pris celle-ci. En petite carte. Vous allez me dire, c'est très automnal, hein, mais bon. J'avais pris celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Elle m'a donné le professeur Choural. Alors ça, c'est encore une mandragore, vous voyez. Et elle m'a offert celle-ci. Alors ça, je suis... Vous voyez, ce genre-là, je suis un peu moins fan. Mais bon, c'est très gentil de sa part. Et c'est très sympa. Donc ça, la fiche, je vais la mettre sous cadre. Et puis, elle viendra décorer. Parce que moi, Harry Potter, je le mets toute l'année. Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise, Alice? Elle a fait pipi par là. Qui c'est qui a fait pipi par là? Ben, Rose, elle a fait pipi par Ah, attends, je vais voir. Il y a une bêtise de Rose. T'es sûr? là. Non, elle n'avait pas fait de bêtise. Hein. Ça aurait pu être possible. Hein, mais là, j'aurais pas compris parce que la porte est ouverte. Alors là, elle se serait fait gronder. Mais je crois que c'est en fait Alice qui a jeté du jus de pomme. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. La vidéo sera courte, je suis désolée. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Et voilà, je vous retrouve dans la semaine pour des unboxings AliExpress. Oui. Et puis vous montrer ben, du coup celle-ci en unboxing un peu plus détaillé. Et on se retrouvera la fin de semaine pour les envies du week-end. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!